Bonjour, je m'appelle Monica Gibson et je vous présente les principaux signaux de trading quotidien. Voici comment les indicateurs techniques se comparent au sentiment interbancaire à 8h GMT. L'or dollar voit des signaux rouges dominants dans tous les trois intervalles, avec 5 signaux à court terme, 7 à moyen terme et 6 à long terme, et ils sont soutenus par le sentiment interbancaire court de plus de 17%. On continue par le câble qui voit 4 signaux haussiers dans son court terme. Le graphique de 4 heures est plutôt neutre et la perspective journalière montre 6 signaux vente, ce qui correspond au sentiment interbancaire court de plus de 32%. Le dollar yen voit des signaux neutres dominants dans son court terme et les graphiques de moyen et long terme deviennent verts avec 4 et 6 études respectivement. Le sentiment interbancaire court de moins de 13% est neutre et il correspond aux études d'une heure. 6 études ne prévoient pas de changement majeur dans le court terme de la livre yen et le moyen terme est mixte entre les signaux verts et les indicateurs neutres. La perspective de 24 heures est plutôt haussière. Le sentiment interbancaire long de moins de 3% est neutre et il confirme le graphique d'une heure. L'euro yen voit 6 signaux rouges dans ses graphiques d'une heure et de 4 heures. Le long terme est mixte entre les signaux haussiers et les signaux neutres. Par contre, le sentiment interbancaire est haussier, faisant plus de 16% à long terme. Vous avez regardé les principaux signaux de trading quotidien de lundi. Ces statistiques seront mises à jour chaque heure toute la journée.